a commencé en Géorgie où j'ai fait ma licence et j'ai obtenu mon diplôme en macroéconomie. Après, je suis arrivée en France pour mes études de master en gestion des projets internationaux. À la fin de mon master, j'ai intégré Talents en tant que PMO et après un an, je me suis orientée vers le rôle de Scrum Master. Actuellement, je travaille sur deux missions. Sur ma première mission, je fais partie de l'équipe qui développe un produit innovant dans le domaine de la finance. Et mon rôle, c'est d'accompagner l'équipe, s'assurer que les principes, les valeurs de Framework Scrum sont bien appliquées et bien comprises par tout le monde. Mon rôle est également de faciliter la communication entre les différents acteurs du projet et j'essaie de créer un environnement où l'équipe se sent bien et tout le monde arrive à s'exprimer facilement. Et sur ma deuxième mission, je fais partie de la Digital Factory dont l'objectif c'est transformer des idées en produits digitaux dans un délai de 3 à 6 mois. Et mon rôle c'est encadrer ces processus d'incubation en mettant en place une approche agile. C'est très intéressant de travailler sur les différents projets avec les différentes équipes parce que ça me permet de grandir très vite. Avoir vécu la Coupe du Monde en France, je dirais football. Voir des gens sourire et faire sourire. Bienveillance, et j'ai même une petite anecdote à raconter. Quand j'ai intégré Talents, j'avais une certaine difficulté à utiliser correctement les articles définis, indéfinis. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Et à l'époque, j'étais amenée à travailler avec notre directeur général et il prenait du temps pour me donner des mini-cours de grammaire avec beaucoup de bienveillance et humilité. Meilleur moment de la journée, c'est la pause déjeuner. Parce que je suis gourmande et j'ai la chance d'avoir équipe qui aime bien expérimenter. Donc tous les mardis, on découvre un nouveau restaurant. Comme notre métier évolue constamment, c'est très important de faire sa veille à travers des vidéos, des articles, des livres pour être au courant de nouvelles pratiques. Il est également très important de travailler sur le soft skills tels que empathie, pédagogie, communication. C'est vraiment les qualités primordiales pour notre rôle de Scrum Master. Et enfin, chez Talents, nous avons la chance d'avoir de différentes communautés et rencontrer et échanger avec les gens qui ont l'expérience du terrain.